Merci Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonsoir, plus ou moins. Et la joie pour moi cet après-midi pour être là avec vous. Mille excuses pour attirer ta là. Voilà, nous sommes sur la plateforme, nos petits lots YouTube maintenant, mais nos Facebook un petit peu. Bon Dieu bénisse vous. Merci, Glicia aussi, pasteur Patrick Nadal. Et donc, toute la famille, tous les anciens, tous ceux qu'il a avec nous. Et aussi, ça voudrait dire un grand welcome à tout le monde qui peut guider nous ce soir. Qui bon Dieu bénisse vous et qui la grâce bon Dieu dans votre vie. Merci encore. Donc, mon corps comme à moi, et tout du moins un petit peu pareil à la maison, confiné et dans la case. Mais mon corps qui nous peut passer un moment avec le Seigneur, que mon Dieu peut montrer nous beaucoup quelque chose, nous peut apprendre beaucoup quelque chose, et le Seigneur peut causer nous, le Seigneur peut guider nous. Ce soir, ça voudrait bénir par quelques cantiques. Et quand tu dis une petite surprise, donc, est-ce que vous changez un petit peu? Depuis longtemps, on tient ça à cœur pour faire un peu dans sa façon, hein, mais il est bon qu'il nous gagne l'occasion à travers sa situation-là, faire comme ça. Faire un peu les chants qui vous gagnent à cœur d'une façon différente qu'à partir. Hey là! Laisse-moi adorer bon Dieu. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. Hey là, laisse-moi adorer papa. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. Hey là, laisse-moi adorer bon Dieu. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. Et là, laisse-moi adorer papa. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. L'in prend mon fardeau, l'in met l'eau sur ses épaules. Comme mon morse, oui, sa bonté accompagne-moi. Sa bonté accompagne-moi, raison dit dans mon lesquels, n'aimerons la lumière. Laisse-moi chanter, laisse-moi crier, laisse-moi dire bien fort ensemble. Et là, laisse-moi adorer bon Dieu. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. Et là, laisse-moi adorer bon Dieu. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. Et là, laisse-moi adorer papa. Laisse-moi dire à lui que mes mots comptent en lui. L'in met l'île sur ses épaules. Comme mon morse, oui, sa bonté accompagne-moi. L'in prend mon fardeau, l'in met l'île sur ses épaules. Comme mon morse, oui, sa bonté accompagne-moi. Azon dit dans mon lesquels, il n'est grand la lumière. Laisse-moi chanter, laisse-moi crier, laisse-moi dire bien fort. Hey, laisse-moi adorer mon Dieu. Laisse-moi dire à lui combien me compte en lui. Hey, là, laisse-moi adorer papa. Laisse-moi dire à lui combien me compte en lui.
C'est nous, papa. C'est nous, papa, qui dans le ciel. On est content de dire ça. Nous, papa, reste papa, Zamé Divine, grand-père. Il reste papa. Donc voilà, nous continuons. Et cet après-midi, j'espérais de l'autre côté, tout peut passer bien. J'espérais que le son, l'image, enfin, voilà. Donc, pour nous, il y a un peu une première. Et nous avons eu l'occasion de faire un live dimanche dernier et un dimanche d'avant aussi, dimanche dernier, c'est un test. Donc, on a profité pour faire une petite annonce. Demain, nous avons supposé un grand live le matin, mais la cause, c'est le confinement, là, c'est le lockdown. Là. Donc, nous pouvons prendre le risque pour rouler. Pour, hein. Alors, nous pourrions faire aller, nous pouvons dire exactement qui date. Qui bon Dieu, bénisse toi. Alléluia. Papa, te nom les grands, papa, te nom les puissants, maladie li allé, les temps maugris te nom, problème li allé. Thank you.
crie ton nom. Problème li alé, li tan nou crie ton nom. Maladie li alé, li tan nou crie ton nom. Problème li alé, li tan nou crie ton nom. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Maladie li alé, Seigneur. Li tan nou crie ton nom. Problème li alé, Seigneur. Sans toi, l'impossible, Seigneur. Mais avec toi, l'impossible, Jésus. L'impossible, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Nous papa qui dans le ciel est toujours là pour ses enfants. Sa parole dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout quelque chose les concourt pour nous dire bien. Il y a beaucoup quelque chose qui peut arriver en ce moment. Il y a beaucoup quelque chose qui peut passer en ce moment. Mais nous capables de rendre grâce au Seigneur. Est-ce qu'il me croit dans tout mon équerre? Sa parole déclare cela. Bon Dieu, il n'y a pas d'abandon, nous dit toujours là. Laisse-nous orphelins, sa parole dit, il donne-nous le Saint-Esprit. L'Esprit qui peut conduire à nous, alléluia. Même dans ce moment que nous étions là, nous bon Dieu, il est là. Nous bon Dieu, il est là, alléluia. Il est là. Merci. Combien ce matin, cet après-midi, je voudrais dire quelque chose qui nous a écrit, alléluia. Et nous faire face en ce moment à une situation, comment nous dire, que personne ne peut prévoir, personne ne peut attendre, ne peut expecter. C'est quelque chose qui fin arriver comme ça et me dire bon Dieu, prends soin. En même temps, on nous trouve le monde comment peut paniquer, le monde comment peut passer d'un moment difficile. Moi-même, dans l'endroit que je restais, pour faire la musique, mais vous attendez, comment dire, le monde est en deuil. Et c'est une situation bien difficile. Quand nous commençons à arriver dans ce moment qui nous passait là, et pour le coronavirus, certainement, il y a une frayeur, beaucoup de monde finit peur. Beaucoup, même les enfants de Dieu, les chrétiens, finissent un petit peu abasourdis avec ça. Parce que c'est un peu normal, nous pas finir passer là-dedans, c'est quelque chose de nouveau. Tout le monde est paniqué. Mais seulement, quand ça a commencé, on commence, pareil comme nous tous, on pense, on commence à chercher le Seigneur là-dedans pour connaître qui est là, qui est là. Mais là-dedans, bon Dieu, il montre, enfin moi, personnellement, une grande quixeuse, extraordinaire. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans les temps qui personne n'a pas fait imaginer, aucun dirigeant de aucun pays n'a pas fait imaginer cela. C'est extraordinaire, vous trouvez, qui on a fini investi dans hommes, fini investi dans beaucoup de choses. Je fini préparé, je tout fini faire tout quelque chose pour qu'il m'a dit un jour quand j'étais attaqué, j'étais capable de vaincre l'ennemi. Et là, un virus vient. Personne n'a pas préparé. Tout ça, milliards, billions qu'ils ont investi dans hommes, dans toute cette qualité de chose. Je n'ai pas fait non rien. C'est extraordinaire, quelque part, vous trouvez ça qui. Enfin, pour moi, dans nous l'existence, mon corps, tous ceux qui vivent là, pour trouver une affaire comme ça. Tout pays à Zénou, tout gouvernement à Zénou, tout grand, grand leader à Zénou. Et moi, quand je trouve ça, je continue de me dire extra ça. Pour une fois dans l'histoire, comment dire, nous tous, ils rentrent dans le même bateau. Nous tous, nous dans la même situation, tout le monde.
ce qui est dans leurs ans, ce qui est dans leurs ans. Tout le monde comme a une descente égale dans sa situation. Je la dit que je suis un extraordinaire coûte par million, pas capable de rouler. Parce qu'il n'est pas capable de sauter au même. Tout le monde tourne dans le même bateau. Un de ban quelque chose qui fait moque l'esprit. En fin de compte, quand nous quittons la parole de Dieu, là, nous trouvons qu'il y en a beaucoup de choses qui finissent dire dans la Bible, finissent dire dans la parole de Dieu et qui, aujourd'hui, nous trouvons qu'il prend tout ce sens. Une des bonnes affaires qui nous frappe moi dans ce moment-là, mon cours rappelle, c'est un jour, en avril, que un contraste extraordinaire. Dans un, l'hôpital ici dans Maurice, il y a deux personnes. C'est un homme, mon papa dit ça pour critiquer, hein, mais ben l'exemple, il y a un exemple. C'est un homme, c'est un multimilliardaire. Donc, il est malade. Il y a un avion privé, un jet privé à ce service pour prendre pour amener l'idéo, pour faire son soin médical. Et à côté avec ça, qui est là, un NSDF, un kiken qui peine à la case, comment nous disons, mendiant une charité, comment nous disons dans nos langages créoles. Ce qui me frappe moi, c'est que quand la mort finit de passer, tous les deux dimouns finissent mort dans même l'hôpital. Tous les deux dimouns finissent transportés dans même cimetière et finissent enterrés dans même cimetière. Et là, c'était un multimilliardaire qui a un jet pertamni l'auteur Mac l'aéroport. L'autre là, c'était un SDF qui peine en dessous. C'est extraordinaire pour trouver qui, quand la mort est venue, aucun a leurs ans, aucun a tout ce qui est là. Mais voilà, nous tout retourne comme on est venu. Moi, je comprends aussi ça verset qui dit, il est plus facile pour faire un samo, passeport, trouver une aiguille qui fait un riche dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup quelque chose qui peut prendre ce sens aujourd'hui. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, la Bible dit « Malheureux soit celui hein, qui peut écouter la voix des hommes, qui peut suivre un homme, mais heureux celui qui finit de mettre sa confiance en l'Éternel. » Ce qui m'a pu dire, là, il est un peu dur, mais il est comme ça. En ce moment, il n'y a pas d'église physique, bâtiment. Il n'y a pas. Donc, écoute-moi. Il est bien difficile pour tous ceux qui finissent à ce temps un ministère. Si je te la foi, tu bases au ministère d'un homme, il est difficile. Et là, mon enfant de Dieu, mon chrétien, malheureusement, nous attachons-nous à quelque chose matériel, structure. Si nous, on dit les enfants de Dieu, nous attachons avec une structure, vous voyez, parfois, l'église, high-tech, l'église, c'est ça, nous, ça, ça, ça. Si nous attachons à tout cela, mais on dit tout ça, nous a fait la paix exister. Si nous attachons à un BRG, quelque part, nous plus dépendons du BRG qui nous peut dépendre hein, de nos papas qui sont dans le ciel, mais nous pouvons un peu perdre. C'est pour ça que heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Et aujourd'hui, quelque part, comment il a une causée, puis m'a aussi un peu partout, puis dire, comment dire, bon Dieu, une race sur l'Église dans la main de l'homme. Parce que bon Dieu, n'a envie que ses enfants retournent vers lui et vers rien d'autre. Donc, tu peux encourager tout le monde, moi avec, nous lève nos regards vers nos papas qui sont dans le ciel. Lui n'a envie. Moi, j'ai l'impression, quand nous disons lockdown, 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 moi, j'ai l'impression qu'on m'a dit, sa VSC là peut prendre l'ampleur, peut dire, be still and know I'm God. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Arrêtez en place. Arrêtez en place. Connais qui m'a bon Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons la nature à peut respirer, nous trouvons. Maman. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais en même temps, la Bible dit, jamais, bon Dieu, il fait quoi que ce soit sans qu'il avertisse ce serviteur, sans qu'il avertisse ses enfants. Confinement, ben, je peux dire, c'est pas le premier confinement, c'est le deuxième confinement. Nous trouvons dans la Bible, Noé, dit, je prends les poupettes,
beaucoup de monde fin bouffonne, beaucoup de monde fin fait tout ce qui blague, mais c'est une réalité. Alors, je crois qu'il y a quelque chose encore pour venir devant. Et je crois qu'il y a bon Dieu pour avertir sur l'église. Je pense qu'à un moment donné, nous fin faire beaucoup de choses. Nous galoupons un peu. Tout le monde, ça qu'on galoupe un peu sur le côté. Je pense qu'il, voilà. Nous pas trop loin pour un déconfinement, nous pas trop loin pour reprendre la vie. Certainement, partout peut dire que la vie n'est pas pour normal, n'est pas pour reprendre normal comme elle était avant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Nous peut guetter tous les jours, nous peut trouver. Nous nous avons nous-mêmes une question. Moi, on se ensemble. Qui peut arriver après ça, événement là? Est-ce que nous, la vie chrétienne, pour pareil, anormal. On pensait que si nous guettons dans l'esprit, si nous connectons avec le Seigneur, avec ce l'esprit, on pensait que nous pouvons trouver, nous pouvons comprendre qu'il y a des choses qui peuvent passer et qu'il y a des choses qui peuvent passer. Il y a des choses qui peuvent venir encore. On pensait que ce n'est qu'un avertissement. Quand tu peux dire au commencement, beaucoup de monde perd. Beaucoup de monde perd. Mais perd, pas péconné. Pas péconné, ou capable de lire quand on va dans le supermarché, quand on peut marcher de haut. Moi, de par le métier qui m'a fait aussi, mon retour moi, dans ma clinique, tout ça. Mon gars qui est piqué, mon dimon, terrorisé, père. Merci Jésus pour nous, les enfants de Dieu. Quand problème la lit levé. Oh bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand tempête la lit levée, oh bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand maladie la levée, oh bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand le cœur li troublé, mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Tu me la gloire, tu relèves-moi la terre. Tu me bon Dieu, tu pas pour laisse-moi tomber. Tu me la gloire, tu relèves-moi la terre. Tu me bon Dieu. De papou, laisse-moi tomber. Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand tempête la lit levée, mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand maladie la levée, mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand le cœur lui troublé, mon bon Dieu, papa, laisse-moi tomber. Mon papa, papa, laisse-moi tomber. Mon Jésus, papa, laisse-moi tomber. Seul esprit, papa, laisse-moi tomber. Tu me la gloire, tu relèves-moi la terre. Tu me bon Dieu, tu pas pour laisse-moi tomber. Tu me la gloire, tu relèves-moi la terre. Tu me bon Dieu, tu pas pour laisse-moi tomber. Thank you.
même la lit lever. Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand tempête la lit lever. Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand maladie la lever. Mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Quand me l'éternel trouble, mon bon Dieu, pas pour laisse-moi tomber. Mon papa, pas pour laisse-moi tomber. Mon Jésus, pas pour laisse-moi tomber. Sous l'esprit, pas pour laisse-moi tomber. Tout pour la gloire. Laisse-moi tomber, tout mon la gloire, relève-moi la tête, tout mon bon Dieu, tout pas pour laisse-moi tomber, tout mon la gloire, tout relève-moi la tête, tout mon bon Dieu, tout pas pour laisse-moi tomber, tout mon la gloire, tout relève-moi la tête. Tout pas pour laisse-moi tomber. Tout mon bon Dieu, tout pas pour laisse-moi tomber. Tout mon bon Dieu, tout pas pour laisse-moi tomber. Tout mon bon Dieu, tout pas pour laisse-moi tomber. Tout nous bon Dieu, papa. Zame tout pas bon de nous, Seigneur. Zame tout pour délaisser nous, Seigneur. Tout la main pour toujours là, Seigneur, nos tous enfants, tout rigole pour toujours là, nos tous enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, nous connaît les temps les difficiles. Oui, papa. Et nous demandons toi étendre la main, papa, étendre la main. On a beaucoup besoin de toi, Seigneur. On a beaucoup écrit vers toi, Seigneur. Je dis, Zamé-toi pour abandonne-nous, Zamé-toi pour délaisse-nous, Seigneur. Deux ou trois rassemblés, tout pour toujours là, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. L'Éternel, l'Imo Papa, Jésus-Christ, l'Imo Grand Frère, Saint-Esprit. L'Imo Consolateur, l'Éternel, l'Imo Papa, Jésus-Christ, l'Imo Grand Frère, Saint-Esprit, l'Imo Consolateur. Quand nous dans la peine, nous crions, mon Papa. Quand nous dans problème, nous crions, mon Grand Frère. Quand nous dans tristesse, oui. Au Christ, au l'Esprit, quand ce Saint-Esprit, l'Imo Consolateur, l'Éternel, l'Imo Papa, Jésus-Christ, l'Imo Grand Frère, Saint-Esprit, l'Imo Consolateur, l'Éternel, l'Imo Papa. Jésus-Christ, l'Imo Grand Frère, Saint-Esprit, l'Imo Consolateur. Quand me donne mon cri, mon papa. Quand me donne problème, mon cri, mon grand frère. Quand me donne tristesse, mon cri, sur l'esprit. Quand ce Saint-Esprit, l'Imo Consolateur, quand me donne la peine, mon cri, papa. Quand me donne problème, mon cri, mon grand frère. Quand me donne tristesse, oui, mon cri, sur l'esprit. Quand sur cet esprit, l'Imo Consolateur. Jésus.
mot consolateur. L'Éternel, l'Immo Papa, Jésus-Christ, l'Immo Grand Frère, Saint-Esprit, l'Immo Consolateur. Comme dans la peine, l'Immo Papa, comme dans problème, l'Immo Grand Frère, comme dans tristesse, oui, l'Immo Crisol Esprit, grâce au Saint-Esprit, l'Immo Consolateur. Du monde peut paniquer, qui est autour de moi, partout nous tous du monde peut paniquer. Mais nous, les enfants de Dieu, que nous étions là-dedans, c'est vrai. Moi, ensemble avec eux, mon propre cachette, au commencement, c'était difficile. Ça arrivait, tous nos plans sans et. Laisse plan, laisse tout ça, mais un tracas, un enfant, quand ils sortent, puis ils rentrent la case. Quand on peut donner sa quantité, il n'arrive plus qu'il 300 000 mots. Si on peut faire rire, hein? Nous avons sa quantité là, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pas connaître, nous vulnérables. Celles affaires qui viennent dans mon équerre, c'est pareil comment bon Dieu dit avec Moïse en Égypte, il y a l'ange de l'amour pour passer, pour faire un sacrifice, prendre le sang de sa agneau là, mettre le linge de la peau. Une plaie de le sang, une plaie de le sang de Jésus. Mais là-dedans, après, quand nous commençons ce Seigneur dans sa situation-là, pour moi personnellement, on arrivait à comprendre les affaires. Bon Dieu, on vit, reprend sa place dans nous les cœurs, à 100%. Il reprend sa place. Avec nos imperfections, nos bonnes erreurs, nos bonnes défauts. Avec tout bon quelque chose qui nous fait de travers. Bon Dieu prend beaucoup patience, mais en même temps, bon Dieu peut les reprendre sur place dans nous les guerres. Pour nous, les enfants de Dieu, finalement, sa situation-là ne nous vient pas, Père. Ça, les temps qui peut venir là. Pour tous ceux qui comprennent l'évangile, qui comprennent la parole, l'évangile, qui comprennent. Fin lire, fin trouver. En fin de compte, il n'y a rien de meilleur qui pouvait venir devant. Il finit dire, il pouvait venir de pire en pire, nous connaît. C'est pour ça, quelque part, ceux qui ne connaissent l'évangile, un petit peu abriti, pas trop connaît. Mais pour ceux qui connaissent l'évangile, il finit écrire, il finit dire, ça m'a quelque chose à peut arriver. Tout bonne prophétie, nous tournons l'évangile de Matthieu, tout ce qu'il dit dire, tout est fini accompli. La guerre, la famine, tout ce que vous pensez. Fais-moi un rappel à une affaire. Bon Dieu, tu dis avec Abraham, Abraham, le péché de Sodome et Gomorrhe peut monter vers moi, Abraham. Et je n'ai plus capable. Moi, pour besoin de détruire Sodome et Gomorrhe. Les autres connaissent l'histoire, Abraham cause avec bon Dieu pour dire s'il y en a 50 justes, 25. En fin de compte, Abraham dit, s'il y en a un seul juste, il dit, ok, avertis lui quand il est sorti, allez pas guetter en arrière, parce que moi, pour détruire ce de mes gomos. Il y en a des affaires là-dedans. Ce qui péché, qui tu peux faire dans ce de mes gomos à l'époque,
Zodi l'in augmenté, on va dire 25 fois plus. Et la même chose que l'homme peut faire Zodi qui dans ce domaine gomo patiena. Zodi l'homme in descend à un tel point, il commence à faire quelque chose qui extrait immoral. Donc, si à l'époque, bon Dieu, tu dis avec Abraham, le péché de Sodome et Gomorrhe peut monter vers moi. Zodi qui retenait lui. Quand nous faisons pipi, quelque part, le monde fait pipi avec Sodome et Gomorrhe. Certainement, il y a une seule quelque chose qui peut retenir lui. C'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice, c'est l'alliance que le Seigneur fait faire avec nous, qui protège nous. Mais malgré ça, tout cela, il y a une fin, il y a une end. Pareil comme bon Dieu, tu avais été Abraham pour ce demi Gomorrhe, mon corps qui bon Dieu, puis avait été tous mes enfants, mes serviteurs. Mon corps qui, ça verset là, maintenant, il prend tout ce sens. Quand il dit, quand Jésus dit à nous, comment on pourrait tourner, est-ce qu'il me trouve, non pas la louange, est-ce qu'il me trouve l'amour, est-ce qu'il me trouve l'esprit peut manifester d'une façon extra, est-ce qu'il me trouve différent de ça, nos autres la tête? Non. Jésus dit, est-ce qu'il me trouve la foi? Parce que justement, aujourd'hui, ceux qui peuvent vivre par la foi, ils peuvent comprendre ce qui vient arriver. Ceux qui peuvent vivre par la foi, pour trouver, ils peuvent discerner par l'esprit qui vient arriver. Et ils peuvent connaître qui s'y met. Alors, en ce moment, le papa qui est dans le ciel, il est toujours là, il est toujours présent. Et il peut attendre nous, revenir vers lui. Il peut attendre nous. Donne-nous les temps. Mon corps rappelle le frère Patrick Orgo, pour ceux qui connaissent, longue date. On essaie de lire là et puis guide-nous en ce moment. Et mon corps rappelle un message qu'il était prêché. Et ce message qu'il était prêché là, c'est un message qui m'en écoute ça 25 ans de cela. 25 ans de cela, m'en écoute ça, message là. Il était dit, bon Dieu, pour trapper sur l'église, comme un pied. Et il commence à couiller. Tout le monde fait sec pour tomber. Tout le monde fait vert. Man fait vert pour s'attacher à l'homme. Ça ramène moi aujourd'hui avec cette situation-là. Il y a un peu comique, c'est qu'il m'a dit, mais il est comme ça. Dans l'église, les dimanches. Il y a beaucoup de monde qui sont à l'église, bon, à cause de parents dans l'église. Donc c'est bizarre l'église. Parents vous disent, vous allez à l'église tous les dimanches, habitué à aller. Et n'est pas à habitué peut-être à cause fiancé. Fiancé dans l'église, vous allez à l'église. Et n'est pas à peut-être à cause madame dans l'église, vous allez à l'église. À cause Michel dans l'église, vous allez à l'église. En gros, il y a dit, peut-être tu peux venir à l'église, tu peux aller à l'église. Pas une petite obligation. Et non, tout le temps, il y a un chrétien, tu habitué à l'église, tu peux aller. Et ça m'a dit, non, peut-être. Un dimanche, qu'ils ne parlent l'église, finalement, ce qui est arrivé, c'est que je tiens peut-être une conscience repose, je tiens une à l'intérieur pour dire, je dis, dimanche, je dis, je dis, à l'église, je ne vais pas aller, je reste dormi même. Mais en ce moment-là, justement, sa catégorie du monde-là, donc, j'ai une conscience claire et tranquille parce que je dis, bon, là, lockdown, là, dans le lockdown, donc, pas grave, puis dans l'église, hein, donc, le dimanche. Et vous pensez, justement, il arrive grand moment pour vraiment nous connaître ce qui est vrai même. Parce que là, papa n'a aucun pasteur donc, qui peut dire où dans la case avec vous. Là, prenez juste où avec le Seigneur. Donc, là, nous connaissons vraiment. Même que nos relations étaient avec mon Dieu. Si nous avons la foi, quand les choses plus pires à venir pour venir, nous pour continuer à subsister, nous pour continuer à marcher. Et ça ramène nous à ce verset qui dit. Dans les derniers temps, dire si nous tièdes, il faut vomir nous. Il faut que nous bouillons. Tout le temps, nous entendons ça verser là. Mais là, justement, pendant l'église, bâtiment, l'église, c'est le corps du, bien sûr, le corps du Christ, les âmes, les fidèles. Mais là, pendant bâtiment, pendant structure, pendant une place précise que tout le monde peut bien aller, tout le monde peut retrouver un petit peu dans la case. Donc, comment nous faire? Alors, moi, courage, mon frère, monsieur. Les temps pas pour venir facile devant, pas pour dire ça pour faire pire, mais la Bible finit dire, ce n'est qui le commencement finit commencer. On ne connaît pas quand nous étions dans cette timeline là, nous humiliés, nous presque à la fin pour dire où. Mais je pense que mon cas dire où la Bible dit, les choses pas pour améliorer devant.
C'est la façon dont nous sommes capables de traverser tout cela. C'est la façon dont nous sommes capables de rester attachés à cet arbre. C'est qui nous reste bouillant. C'est nos relations avec nos papa qui sont dans les ciel. Merci Jésus. Merci Seigneur. L'inmo pour nous, l'inmo pour moi, l'inmo pour nous, il fait un sacrifice énorme pour qu'ils aient dit nous capables de traverser là-dedans. Tout est fini faire la croix. L'inmo pour moi. L'inmo pour moi là-bas. L'inmo pour moi. Pour lui donne-moi la vie. On s'en avance. On s'en avance. On s'en avance. Jésus fait ressusciter. Tombe en vie. Tombe en vie. Jésus fait ressusciter. L'amour pas capable. L'amour pas capable, Godly. L'amour pas capable. Godly dans ses ou des mots. La mélaud, tous enfants, la mélaud, nous louons, nous Jésus. La mélaud, tous enfants, la mélaud. Les fines mots pour moi là-bas, les fines mots pour moi, pour lui donne-moi la vie. On se l'a avancé, on se l'a avancé, on se l'a avancé, Jésus vient ressusciter. Ressusciter. L'amour pas capable. L'amour pas capable, Godly. L'amour pas capable, Godly dans ses ou des mots. La mélaud, la mélaud, tous enfants, la mélaud. Nous louons-nous Jésus. L'âme est là-haut, tous enfants. L'âme est là-haut, nous louons-nous les rois. Nous louons-nous les rois. Nous louons-nous les rois. Digne Seigneur. Il reste beaucoup les temps. Ça voudrait dire encore une fois un grand merci à tous ceux qui joignent nous cet après-midi. Un petit moment intime, un petit partage. Et juste pour être là devant nous, papa, ceux qui finissent capables de passer un petit moment là avec nous, bon Dieu béni. Et nous continuons à faire confiance en toi. Nous continuons à faire confiance au bon Dieu. Sa parole dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Vers qui d'autre irions-nous? Côte-nous pour aller. Côte-nous pour aller. C'est toi, mon papa. C'est toi, mon Jésus. Mon papa est toujours là. Il est toujours vivant pour ses enfants.
même si me s'aimer paraît difficile à me connaître. Même si nous t'aillons tout, me la vie à me connaître. Même si me la venue paraît sans me connaître. Même si la terre paraît à l'envers, moi me connaître. Même si me s'aimer paraît difficile, moi me connaître. Même si nous t'aillons au nom de Jésus, Seigneur. Pour tous ceux qui attendent de toi, Seigneur, tous ceux qui attendent de toi. Priez, Seigneur, mon Dieu, Papa, étends-te la main, Seigneur. Toi, te trouves tes enfants, te connais ma difficulté qui se peut passer, Seigneur. Et tu es un Dieu qui exauce, tu exauces la prière. Tu exauces la prière, Seigneur. Tu exauces la prière, Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un petit moment encore. Et voilà, c'est un petit partage fait de tous les cœurs sincères. Ça voudrait aussi remercier encore une fois l'Église ici aussi, toute l'équipe, hein, les responsables. Merci de donner-moi l'occasion qu'on peut faire cela ce soir. Bon Dieu bénisse, ça voudrait aussi un grand merci. Peut-être que je n'ai pas pu trouver, mais les changements d'image, tout ça là, c'est madame ou frère Jean, avec ce madame Oucha. Donc, Jean peut, Jean Bassis, hein, c'est quand même Bassis. En ce moment, il peut son sens d'image là. Et il y a une petite caméra, justement, pour ici, qui peut bouger. Ça, c'est nous, frère Jean, ce madame Oucha. Tu dis du monde, un petit peu plus bonheur, un petit garçon.
9 ans, il me fait un peu shooting des bonnes caméras. Il m'a dit, il dit, l'école de ma beau, papa, pas beau. Voilà. Donc, hâte, j'ai hâte de pour trouver toute la famille. On vit besoin un moment qui nous passait à louange, je peux célébrer nous, mon Dieu, ensemble, tout le monde ensemble. Une seule leçon peut lever, la musique peut être, la batterie là peut donner un moment. Ça va un dimanche matin. Beaucoup qui, peut-être maintenant qui, beaucoup parmi nous commencent à réaliser combien ce moment là, c'était un moment béni, non? Zone nous bonne frère, zone nous bonne soeur, adore le Seigneur ensemble. Par contre, ça à l'époque là, quand je dis, vini, frère, après la réunion, oui, moi, vous êtes un coup là, il n'a pas fait Paris. J'ai nous trouver comment. C'est extraordinaire. Et pour venir, peut-être bon Dieu n'a pas travail pour faire avant. Alors, encore une fois, merci. Bon Dieu, bénis-vous. Voilà. Et c'était top. Bon, pas trop capable de lire, commenter, tout ça, mais pas grave. Voilà. Donc, comme on connaît, beaucoup de monde connecté. Et même des vidéos, donc un petit coucou du côté de Canada. On a peut-être mon premier pasteur sur, là-bas, Santa Rampandu et sur madame, je suis là. Donc un petit coucou à toute la famille. Et aussi à tous ceux qui prient pour moi, aussi un grand merci. Tous ceux qui prient pour nous. Tous ceux qui, voilà, il y en a beaucoup de monde pour d'ailleurs. Ça voudrait profiter et remercier une sœur spéciale. Il prépare manger pour la musique, ça quoi qui nous fait une petite répétition. Mon Dieu, c'est venu d'une façon. Merci, je vous pourrais, vous connaissez au compte, pas contre au compte à dire ou non, tu m'as rien, pas pour dire. Mais merci, merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Et voilà. Donc, nous vous donnons notre rendez-vous encore, suivez-nous pas. Donc, voilà, là, nous l'avons, bien sûr, pas ici aussi, mais aussi dans l'église en adoration. Nous donnons notre rendez-vous prochainement pour une autre live. Tout le nom peut-être encore la même et peut-être un dernier petit chant, je sais pas, un dernier petit chant. Une petite dédicace pour nos batteurs, hein, Emmanuel. Écoute-toi, Jean-Là. Pour aller avec louange dans mon liquide, pour moi, le joie, mon papa qui dans les cieux. Pour entrer dans ce palais éternel, vous pouvez nous avec louange pour Maudiali. Merci, merci de l'amour. Vous pouvez aller avec louange dans Mouléke. Pour moi, le joint, mon papa qui dans les cieux. Ce palais éternel, vous pouvez nous avec louange pour Maudiali. Merci, merci pour ce l'amour. L'âme élevée, me louer, me bon Dieu, me louer, me bon Dieu, quand me louer, me bon Dieu. La prière, la main levée, louez mon papa, louez mon papa, comme louez toi papa, tu exauces la prière. Pour aller avec louange dans mon léqué. Pour moi, le joint, mon papa qui dans les cieux. Comme pour entrer dans ce palais éternel. Vous pouvez nous avec louange pour me dire. Merci, merci pour tout l'amour. L'amour. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Merci Jésus.
Et aussi, un petit merci à tous nos musiciens. Sans oublier donc tous ceux qui donnent un coup de main à la chorale. Bon Dieu bénisse. God bless you all. See you.